Donc Rachel Lagière, je suis ingénieure agronome et maraîchère. Maraîchère depuis peu, depuis là j'entame ma troisième année, on va dire. Donc j'ai cofondé le Conservatoire du Goût, donc spécialisé sur les variétés sur les plantes. Tout ce qui peut se manger, les légumes, les fruits, les fleurs, les aromates, tout ce qui est végétal et qui peut avoir du goût. Donc, le Conservatoire du Goût, c'est une association qui a été créée en septembre 2017 pour sauvegarder la biodiversité cultivée qui a un intérêt gustatif. Et la diffuser. Donc la sauvegarder, la diffuser, accompagner des producteurs à les cultiver, ce qui participera à leur sauvegarde et à la sauvegarde du métier de paysan également. Puisqu'on est dans une disparition catastrophique comme sur les animaux, comme sur tout en termes de biodiversité cultivée, ça diminue à une allure incroyablement inquiétante, puisque en plus sur le légume, encore plus que sur les viandes, sur les animaux, le légume intéressait très peu et intéresse un peu de plus en plus, mais on reste quand même un peu frileux sur le végétal, même avec l'essor du véganisme, du végétarisme, etc. Donc heureusement, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus d'intérêt, mais on y va doucement, on est un petit peu en retard en France sur le végétal, parce qu'on a aussi des très bonnes productions animales. Peut-être que c'est lié. Si on n'avait pas des bons produits animaux, peut-être qu'on s'intéresserait plus aux végétaux. En tout cas, ce projet, il est né sur une ferme maraîchère bretonne, donc par Christophe Coligny, qui lui s'est très vite rendu compte. Donc, il s'est installé suite à une reconversion en maraîchage et s'est très vite rendu compte du faible choix en France de bons légumes, de bonnes semences. Pour faire des bons légumes, et il a très vite travaillé avec des chefs pour l'aider à sélectionner, à identifier, à sélectionner des bonnes variétés. Donc ça a mis à peu près, voilà, pendant 5 ans, il a travaillé là-dessus, et puis nous on s'est rencontrés parce que j'étais en train de créer une association de jardins partagés, non pas ouvrier parce que c'était pas divisé en parcelles individuelles et l'envie était de créer un lieu collectif de jardin pour trouver des fruits et légumes pour cultiver des fruits et légumes qui avaient du goût, puisque moi je suis assez gourmande et je m'ennuyais de ne pas trouver de maraîcher qui faisait des bons légumes. Donc j'ai dit, on n'en trouve pas, et bien on va faire un jardin nous-mêmes. Et ça m'a amené à rencontrer par hasard ce maraîcher-là qui faisait ce travail sur le goût. Donc les mots magiques, le goût, le partage, il m'a dit je vous aide. Et puis quelques mois après, il m'a demandé si je voulais le rejoindre pour mettre en œuvre le Conservatoire du Goût. Donc pendant 2 ans, j'ai appris le maraîchage à ses côtés. Et on a créé l'association du Conservatoire du Goût en Bretagne. Donc ce Conservatoire du Goût, c'est une synergie de restaurateurs, de paysans, de semenciers, d'associations, de scientifiques, de passionnés de goût, de légumes, etc. Donc suite à cette création en septembre 2017, moi je suis arrivée dans la région pour poursuivre l'aventure toute seule l'an dernier. Donc ça fait un an bientôt, même bientôt un an et demi, je suis en train de créer le premier site expérimental et productif à Florac. Donc à Florac, je ne sais pas si tout le monde est du coin, Florac c'est au nord de Bordeaux. Oui, voilà, on va dire comme ça, au nord-est de Bordeaux. On reste en ville avec un grand domaine de 70 hectares, dont 50 en forêt.
vin en écurie. Donc un milieu assez privilégié tout en restant en ville, ce qui a fortement contribué au fait que je postule à l'appel à manifestation d'intérêt qu'avait édité la mairie de Florac pour installer un maraîcher. Donc, la mairie de Florac, elle, souhaitait installer un maraîcher sur 5 000 m² mis en location. Et avec une mutualisation de serres municipales, ils ont 600 mètres carrés dans lesquels ils faisaient leur toute la floriculture, les plantes pour Bordeaux Métropole qui ont été délocalisées au Hayan. Donc il faut faire quelque chose de cette serre et elle était proposée donc dans ce projet de maraîchage. Aujourd'hui, moi, j'utilise peut-être 50 mètres carrés dans cette serre, mais c'est déjà pas mal, c'est une serre chauffée, donc ce qui permet de faire tous les semis. Donc la ferme, dans le cadre du conservatoire du Gou, on fait tous les semis, sauf pour des plantes qui se font par bouturage, donc je pense essentiellement aux aromates ou aux arbres fruitiers, par greffage, etc. Sinon, tout ce qui est par semence est produit sur place. Donc ensuite repiquer, planter, etc. Tout se fait pour le moment un travail du sol superficiel. On a utilisé la grelinette et puis ce qu'on appelle une herse rotative, donc qui ne va pas inverser les différents horizons du sol pour déranger le moins possible la vie du sol, puisque c'était une prairie jusque-là. Donc la terre là était d'apparence très riche, beaucoup de vers, beaucoup de champignons, ça sent bon. La terre, le sol a l'air plutôt très sain. Maintenant il va falloir vérifier comment se comportent les plantes. Donc il y a deux serres, ça doit faire un petit peu moins de 800 mètres carrés, donc en serre. Serre pleine terre et puis le reste en plein champ. Donc il y a une très grande diversité qui est cultivée chaque année. Bon, depuis les tout débuts des recherches officieuses, on va dire, du Conservatoire du Gou, avant la création de l'association, on doit avoir testé au minimum 3000 variétés, 3000-3500 variétés de légumes, toutes espèces confondues. Une sélection peut-être de 200 ou 300 variétés. Donc comment ça se passe par exemple, cette année pour les tomates, il y a 150 variétés, ou 200. Une base des tomates déjà sélectionnées sur lesquelles on a fait nos semences, et puis les nouvelles qu'on n'a pas encore étudiées, où là, soit c'est vraiment une nouvelle variété qu'on a trouvée chez un semencier n'importe où dans le monde, parce qu'en France on a finalement très peu de choix et le travail sur le goût n'existe quasi pas. On est très pauvre en variétés d'intérêt gustatif. Même chez les semenciers qu'on appelle artisans semenciers, etc. Donc on va chercher aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Angleterre, un petit peu partout. Quand on a une variété qui présente un potentiel ou dont on entend parler, des variétés très communes, la tomate de Marmande, la rose de Berne, etc. En fait, la plus grande difficulté, c'est de retrouver la souche qui est bonne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un maximum de semenciers qui proposent cette variété et puis on teste jusqu'à trouver la souche qui est bonne, retrouver les souches dont on apparemment avant qui était exceptionnelles. Voilà, quand je parle du goût, je parle de la nutrition. Enfin, pour moi, c'est évident que si ça a du goût, c'est qu'il y a des qualités nutritives. C'est un ressenti, maintenant il faudra le prouver, il faudra montrer que ça n'est pas qu'un ressenti. Comment ça se passe? Donc ça c'est la partie production, ensuite on organise des séances de dégustation avec les chefs. Donc il y a une partie des chefs cuisiniers qui sont de la région
Mais là, le réseau est en train de se développer, puisque ça fait qu'un an et demi que je suis arrivée ici. Et puis le réseau ancien breton et parisien. Donc là, pour rebondir sur les thèmes de tout à l'heure avec Jean-Luc et Dominique, sur l'intérêt de la gastronomie, l'intérêt de l'image des chefs, qui joue un énorme rôle, sur la voilà le coup de projecteur pour un travail de sélection, un travail de sauvegarde qui est aujourd'hui non négligeable et encore moins négligeable avec l'ampleur que représente la gastronomie aujourd'hui, les masterchefs, les trucs et les machins. Et ben, on va en profiter. On va en profiter parce que ce sont eux qui sont censés être des spécialistes ou en tout cas font partie des gens qui ont un palais développé, qui sont capables de distinguer plusieurs saveurs et pas seulement de dire c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Mais généralement, le c'est bon, finalement, il ne va pas forcément durer très longtemps et en termes d'émotion, c'est pas forcément ce qui va ancrer quelque chose. Par contre, quand c'est « Waouh, il se passe un truc là, et qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, les chefs qui n'ont pas forcément l'habitude d'ailleurs d'expliquer, d'exprimer ce qu'ils ont identifié, c'est tout un travail qu'il y a à mettre en œuvre avec un vocabulaire, et ça se rapproche beaucoup de l'œnologie, puisque nous, ce qu'on va rechercher, c'est aller le plus loin possible. Ok, ça a un goût de betterave, c'est quoi la betterave? C'est quoi le goût de la betterave? Donc il y a un gros travail là-dessus qui est passionnant et puis qui va permettre ensuite de donner un référentiel et un outil. Donc une fois que la variété est sélectionnée par les chefs, on va la faire multiplier par les paysans multiplicateurs. Donc on donne une souche de semences et les paysans multiplicateurs vont la multiplier, font un contrat avec les semenciers qui eux vendent la semence. Donc tout ce réseau-là, en respectant bien la charte et le cahier des charges du Conservatoire du Goût. Donc ça, c'est en cours, ça c'est pas encore développé. Donc ensuite, ça permettra à tout maraîcher, à tout jardinier amateur de pouvoir choisir sa semence avec labellisé Conservatoire du Goût et donc une description des qualités agronomiques et gustatives. Faudra aussi que le maraîcher puisse savoir si c'est une variété avec une commercialisation de niche, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas se permettre de la faire parce que c'est pas très productif, par contre c'est exceptionnel. Bon, il faudra l'information. Et par contre, si ça s'adapte bien à du maraîchage plus commun, à ce moment-là, voilà, variété qui convient tout à fait à une activité professionnelle. Donc ça fait partie du coup de tout le cycle du Conservatoire du Goût. Là, j'ai rebouclé avec donc de la sélection de la semence jusqu'à la vente. Et tout au long du processus, il y a tout le temps un contrôle de est-ce qu'on a bien conservé les qualités gustatives. Donc, parce que le temps de la multiplication, c'est multiplié sur un autre site. On peut perdre des qualités parce qu'il y a trop d'arrosage, parce que c'est le gros défaut des maraîchers. Il y a trop d'arrosage, donc on perd le goût. Et ça, c'est un défaut qui est ancré et très très ancré. Donc il va falloir revoir ses habitudes, remettre en question tout un tas de choses et donc petit à petit amener les gens à avoir une façon de travailler qui peut être un peu différente, un peu modifiée, voilà, pour ceux qui en ont envie, et travailler beaucoup le sensible et beaucoup l'attention, adapter son arrosage à telle et telle chose et pas faire tout arrosé d'une manière uniforme. Le Conservatoire du Goût accompagne du coup aussi les maraîchers dans leurs pratiques, dans leurs choix variétaux et dans les débouchés,
puisque moi le modèle économique c'est une partie de la production qui est vendue aux chefs et une partie aux habitants. Et les chefs cuisiniers vont permettre une sécurité financière, une durabilité, il y a un retour constant. Une moutarde japonaise qui est très très bonne en feuilles, mais généralement c'est comme une salade, quand elle monte en fleurs, c'est fini, il fallait la récolter avant. Généralement on a perdu les qualités gustatives, la tendreté des feuilles, etc. Bon, ben là, cette moutarde, en fait, il faut couper la tige juste avant qu'elle fleurisse. Et la tige est absolument exceptionnelle. Elle a un goût de concombre avec le goût de la moutarde, hyper juteux. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc c'est tout le temps de la découverte. C'est tout le temps se dire, oh, mince, c'est trop tard, c'est en train de fleurir. Ah ben attends, je vais peut-être goûter la fleur. Et en fait, la fleur s'exploite, la fleur est hyper bonne. Voilà, et donc ça multiplie vraiment les choses. Finalement, on peut toujours retrouver une solution. Quasiment toujours. Et puis s'épanouir tout le temps, c'est aussi un métier, le végétal, l'élevage, etc. C'est des métiers très durs, mais passionnants, nourrissants. Et nourrissants pourquoi aussi? Parce qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'on s'adapte tout le temps, parce qu'on se remet en question tout le temps. Et puis valoriser le travail des paysans quand il y a les clients qui viennent dire « Waouh, votre petit pois, il est super bon ». Ouais, ben ça donne du courage parce que c'est pas évident le petit bois. Il faudrait le vendre une fortune pour vraiment rentabiliser. Et donc c'est un encouragement, et je pense que c'est tout aussi important qu'un encouragement financier, d'avoir l'encouragement moral. Voilà pour la partie accompagnement et conseil des producteurs dans le cadre du Conservatoire du Goût. Après, le modèle économique du Conservatoire du Goût, donc ça c'est la partie production de légumes, et puis le conseil, et il y a aussi du conseil justement auprès des restaurants, où on est aussi dans une vague du chef qui a son potager. Donc là c'est vraiment la mode, tout le monde veut faire son potager. Sauf que faire son potager, des jardiniers il y en a beaucoup, par contre un travail sur le goût, ça c'est vraiment rare, et du coup il y a une très forte demande là-dessus pour avoir ce retour d'expérience sur quelle variété de patates je peux planter, quelle variété de fèves, quelle variété de pommes, etc. Donc après c'est tout un travail, enfin le réseau ça grandit tout le temps au fur et à mesure, parce que en réalité tous ceux qui ont un jardin, il y a plein de plantes qui se mangent dans leur jardin, que ce soit des plantes sauvages ou des plantes ornementales. Et on peut faire vraiment des choses exceptionnelles, et il y a tous les goûts, et puis ensuite dans cette diversité là c'est aussi tous les effets positifs que ça va avoir sur le reste, c'est-à-dire les abeilles, c'est-à-dire tous les insectes pollinisateurs, tous les insectes du sol, voilà. C'est très très riche, et nous on avait un retour d'un apiculteur qui avait en Bretagne ses ruches. Donc des ruches un petit peu partout, et des ruches juste à côté de notre ferme. Et il avait un retour comme quoi c'était le meilleur miel du coin, alors probablement parce qu'il y avait une très grande diversité de fleurs. Et voilà, ça c'est une supposition, mais en tout cas, probablement que la diversité... Alors on n'aura pas la spécificité quand on a des miels de châtaignier, des miels... etc. Mais par contre, il semblerait que ça soit un très bon miel sur le plan gustatif. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense à en avoir dit déjà pas mal. Il me reste une minute, je crois. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le travail du sol, j'en ai... Oui, l'importance du travail du sol. Parce qu'il y a beaucoup de jardiniers amateurs qui vont vraiment sous-estimer l'importance de leur sol. Et là-dessus, c'est pareil, on a aussi un gros devoir de communication. Ah oui, on n'a pas parlé de la communication. Mais en fait, c'est le gros sujet de la ferme urbaine du coup à Floirac, parce que
parce qu'il y a un gros besoin d'information, de patience, de pédagogie et d'humanité pour accepter de prendre le temps d'expliquer à tout le monde l'importance de considérer tout ce qu'on a autour de nous et de faire les choses en conscience, quoi. Donc, tout faire. Et quand on fait un sol, on n'achète pas du terreau à Intermarché. Oh ben j'ai pris celui-là parce qu'il y avait celui-là, quoi. Mais non, c'est comme si nous on mangeait. Enfin oui, c'est pareil. Hein, c'est on se fait du mal parce qu'on fait pas attention à ce qu'on mange. Et ben notre sol, si on lui apporte pas un sol vivant, et ben le légume qu'on aura, ah ben mince ma tomate, pourquoi elle a les feuilles toutes blanches? Je viens juste de la planter. Et t'as mis quoi comme sol? Ah ben je sais pas. Et voilà, tu sais pas. Mais il faut réfléchir au sol qu'on met. Et donc on a un gros travail vraiment de communication à faire. Pour reconnecter les gens et en plus ils en ont envie, voilà, ils en ont vraiment envie. Moi j'ai eu énormément de sollicitations parce qu'il y a eu un petit peu de communication étant donné que c'est la course des fermes urbaines, donc beaucoup de gens pour du bénévolat, pour apprendre ce que c'est que le maraîchage, pour savoir ce que c'est que jardiner, etc. Donc c'est aussi passionnant parce qu'il y a une réelle demande, pas tout le monde. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre, de comprendre. Merci.